Yo mes potos, bon, ça fait déjà 3 jours que je suis arrivé à Lombok. J'ai eu le temps de bien visiter l'île, j'ai dû me faire à peine 10% de l'île parce que l'île est super grande. C'est une île qui fait à peu près 70 km du nord au sud et qui fait à peu près 50 km de large. Donc c'est vrai que bon, bah, toutes les distances sont quand même assez importantes. Je vois la première journée, je me suis loué une moto et bon bah juste j'ai dû mettre, je sais pas, 6 heures pour me visiter à peu près 3 plages quoi. Donc voilà mes potos, aujourd'hui je me suis pris un taxi, histoire qu'il me drive un peu pour me faire visiter des endroits où j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller moi-même. Et franchement c'est vraiment, mais c'est magnifique comme endroit. J'en reviens même pas, je suis vraiment pas habitué à voir ce genre de décor. Et la différence qu'on peut trouver par rapport à Bali, bon bah la différence elle est énorme, hein. C'est qu'au niveau touristique c'est le Bali d'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Les plages sont quand même plus belles qu'à Bali parce que tu as au moins les 100 premiers mètres qui sont transparents et super bleu. Et puis le sable est beaucoup plus clair qu'à Bali. À Bali, les plages sont beaucoup plus noires. Bon, c'est super beau quand même, hein. Je ne vais pas critiquer Bali. Bali, l'île elle-même est vraiment super belle, mais le problème, c'est que c'est un peu victime de son succès. Donc voilà, c'est beaucoup trop touristique, il y a des embouteillages de partout, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment reposant. Lombok à côté, c'est vraiment chill comme endroit, tu peux vraiment te détendre, tu te balades sur des plages de 4 km de long, t'es tout seul sur la plage. Donc c'est vraiment étonnant comme endroit, je suis vraiment content d'être passé par ici. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avant d'arriver à Lombok, je me suis dit bon, on verra bien, et franchement ça a été une belle surprise. Mes potos, je vous laisse profiter de la vidéo et puis bah comme d'hab, on se retrouve à la fin puis je vous expliquerai un petit peu où je pars demain. Allez, à plus! Un peu, vous avez vu de quoi je vous parlais au début de la vidéo. Franchement, c'est impressionnant comme endroit. Ça aurait été une merveille de passer 3 jours ici.
Bon, demain, changement de décor. Demain, ça va être du lourd. On va arriver au paradigme complètement. On part sur les îles Gili. Les îles Gili, bon, elles sont un peu réputées quand même en Indonésie. C'est un petit peu mode comme endroit, on va dire. Et c'est tellement le paradis que du coup, j'ai quand même vraiment envie d'y aller. Les Gili Islands, en fait, c'est trois îles qui sont au nord-ouest de Lombok. Il y a la première qui est super développée. C'est celle où je vais arriver quand même. Parce que malgré qu'elle soit touristique et développée, elle est vraiment paradisiaque autour. Donc, j'ai quand même envie de la voir. Puis bon, bah, c'est pas déplaisant. Hein. Quelques petites parties le soir, un peu de monde à voir, des bars, de la musique. Et ensuite, il y a Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air. Donc je commence par Trawangan. Je vais peut-être pas aller à Meno parce que c'est la moins développée des trois. Donc là, genre, il se passe rien du tout sur l'île. Donc c'est pas que ça me dit pas parce qu'à ce qui paraît, elle est jolie quand même. Ce que je vais faire, je pense que je vais me faire Gili Air après. Gili Air, elle se situe entre les deux. Un tout petit peu développée, c'est le paradis. Blindé de tortues dans la mer. En plus, ça tombe bien, j'ai acheté la GoPro 7. Donc là, je vais pouvoir vous filmer un petit peu sous l'eau pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà mes potos, bah demain j'ai mon taxi qui vient me chercher à 7h30 du matin en direction du nord-ouest de Lombok. Après je prends le bateau, je crois qu'il y a une heure de bateau, un truc dans le genre. Et puis je vais arriver à Gili Trawangan. Bon mes potos, je vous laisse et rendez-vous sur les îles Gili. A plus.